Bonjour, Sandrine Journoux, responsable d'internat au lycée Don Bosco Lyon. Cet internat, comme son nom l'indique, respecte l'esprit de Don Bosco, qui était un prêtre italien du 19e siècle et qui a insufflé la pédagogie salésienne avec l'idée suivante: sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Ainsi, dans cet internat, tout est mis en œuvre avec bienveillance pour que le jeune soit bien dans son cadre de vie et que les conditions de travail soient optimales. Le personnel de l'internat est très investi, toujours à l'écoute. Il assure un soutien apprécié par les internes et le suivi éducatif est en lien avec les enseignants, la direction avec qui nous échangeons régulièrement, puisque j'assiste au conseil de classe tous les trimestres. Les locaux sont dans un bâtiment moderne, sur deux étages surplombant la Saône, avec de nombreuses chambres individuelles, mais aussi des chambres de deux ou trois personnes, tout équipées de lavabos. L'internat dispose aussi d'un foyer avec télévision, magnétoscope, rétroprojecteur, donc on est bien équipé. h 30, c'est le goûter avec la pause détente. 19h10, c'est l'étude en chambre ou étude encadrée suivant l'autonomie des jeunes. 19h15, c'est le repas au self. Après le dîner, les internes ont le choix, soit elles travaillent de nouveau, ou alors elles se détendent, ou elles participent à des activités proposées selon un planning que nous faisons chaque semaine, avec des sorties, des jeux, des activités diverses. 21h30 pour les plus jeunes jusqu'aux premières, c'est le retour au calme, puis 22h, l'extinction des feux. Et puis 22h, retourne au calme pour les terminales et 22h30, extinction des feux. Le lever se fait à 7h au son d'une douce musique choisie par elle-même ou moi-même parfois. Et tous les jeudis soirs, selon la tradition de Don Bosco, il y a le mot du soir, réflexion sur la vie avec les jeunes et les éducateurs, puis le ménage. Et oui, on n'y échappe pas, mais c'est important. Je reste évidemment disponible à tout moment pour les familles, les jeunes, et je suis très fière d'accomplir cette mission. À bientôt!